Deuxième vidéo sur le Present Perfect, dans laquelle nous allons voir comment employer ce temps pour exprimer la notion d'expérience. Commençons par cette situation dans laquelle Scott va demander à Jane si elle a une expérience des voyages. Have you traveled a lot, Jane? Yes, I have been to lots of places. Really? Have you been to China? Yes, I have been to China twice. Have you been to India? No, I haven't been to India. Voyons un petit peu comment se construit cette conversation. Quand Jane nous dit « I have been to China », elle ne nous dit pas quand elle est allée en Chine, ni dans quelles conditions. En fait, elle ne raconte pas son voyage. Elle ne donne ni date ni détail, ce qui impliquerait l'emploi du prétérit, comme on le sait. Elle est simplement en train de nous dire qu'à un moment donné dans sa vie, elle est allée en Chine. Est-ce que ça s'est passé en 2014, l'année dernière ou il y a 3 mois, ça n'a aucune importance. Elle est allée en Chine à un moment donné du passé, sans plus d'informations. Ce qu'elle nous indique, c'est juste l'impact que cet événement a sur le moment présent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, elle connaît la Chine. Et ce qui compte, c'est le mot « aujourd'hui ». L'impact sur le moment présent. Donc elle nous fait part ici de son expérience. Ça peut également être son absence d'expérience quand elle dit « No, I haven't been to India. » Ce que l'on voit ici donc, c'est l'emploi du present perfect pour exprimer l'expérience. On avait vu le constat et ici il s'agit de l'expérience. Et encore une fois, on peut le redire, avec le present perfect, il y a toujours un lien entre le passé et le présent. Ici, le lien, c'est ce que j'ai appris ou vu ou fait dans le passé a un impact au jour d'aujourd'hui. Have you ever fallen in love? Oh yes, I have. Ici, avec le mot ever, on a une phrase qui veut dire « es-tu déjà tombée amoureuse ?» Ce mot « ever », on le retrouvera souvent dans les questions portant sur l'expérience. Comme dans cette phrase-ci, par exemple. « Have you ever eaten spinach ?»« No, I haven't. I have never eaten spinach. » Et pour répondre à la forme négative, on va utiliser le mot « never ». Non, je n'ai jamais mangé d'épinards. Expérience ou absence d'expérience. Avec l'expression « it's the first time », c'est la première fois que. It's the first time I've kissed a man. On va employer le present perfect en anglais, alors qu'en français on utilise un présent, c'est la première fois que j'embrasse un homme. Ici, comme il s'agit d'une expérience, avec l'expression « c'est la première fois », on va être obligé d'employer le present perfect. Également avec un superlatif, dans les phrases du style. He's the strongest man I've ever seen. C'est l'homme le plus fort que j'ai jamais vu, le plus beau, le plus intelligent, etc. On fait part de son expérience dans ce cas-là, donc on emploie encore une fois le present perfect. Attention à la situation suivante maintenant. Quand quelqu'un va poser une question au present perfect portant sur l'expérience d'une autre personne et que celle-ci lui répond oui, comme dans ce cas-ci, « Have you ever met Olive ?»« Yes, I have. » Si la réponse est positive, logiquement, pour poursuivre la conversation, on va poser des questions, demander des détails. Et là, on va se retrouver au prétérit, parce qu'on rentre dans le récit. When did you meet her? Question au prétérit, qui va amener une réponse au prétérit, évidemment. I met her last year. What did you tell her? I told her she was beautiful. Ce qu'il faut retenir ici et qui est très important, c'est que donc, si le dialogue se poursuit et que l'on donne des détails ou des dates, on entre dans le récit. On utilise alors le prétérit qui est le temps du récit. Le present perfect ne nous aura servi qu'à introduire la conversation sur une question de type « As-tu déjà fait ceci ?» Voyons d'autres exemples maintenant. Ryan et Cleo are talking about their traveling experiences. Listen to their conversation. Le sujet, ça va être celui-ci. What's the best place you've ever been? On en profitera pour noter la différence du prononciation du mot been
de la part de Ryan qui est anglaise et de Cleo qui est américaine. Donc chacune des deux filles ici va nous faire part de son expérience ou de son absence d'expérience et va ou non donner des détails sur les endroits qu'elle a visités. What's the best place you have ever been? The best place I have ever been. I might say Peru. Wow. Was the best place that I've ever been. Have you ever been to Peru? I have not. Well, I went to Peru and we went to Cusco and we went to Machu Picchu, which was really amazing and Sounds very beautiful. Cool. Super. So, and the food there was very good too. I have never even been to South America. So, you have never been to South America. No. I would like to though. Et bien sûr, Ryan ne peut donner aucun détail puisqu'elle n'a pas été au Pérou ni en Amérique du Sud. Passons aux exercices maintenant. Avec les mots ever ride a horse, il s'agit de vous poser une question sur l'expérience. Es-tu déjà monté à cheval? Qui se dira Have you ever ridden a horse? To ride road ridden. À vous maintenant. Have you ever been to California? Have you ever run a marathon? Avec le mot always pour changer ici. As-tu toujours habité dans cette ville? Have you always lived in this town? Notre exercice, même chose. Ever speak famous actor? As-tu déjà parlé à un acteur célèbre? Have you ever spoken to a famous actor? Et maintenant, on va essayer de continuer la conversation. La question sera à qui as-tu parlé? Et là, on va se retrouver au prétérit. Who did you speak to? On demande des détails. On rentre dans le récit, on est au prétérit. On le voit encore mieux ici quand on pose une question portant sur la date. Quand l'as-tu rencontré? When did you meet him? Je continue à demander des détails. Qu'est-ce que tu lui as dit? What did you say to him? Maintenant, ce n'est pas parce que nous sommes au prétérit ici que l'on ne peut pas revenir sur le present perfect. Voyons ceci. Je fais le bilan de ma rencontre avec Johnny Depp et je vais dire que c'est la personne la plus sympa que j'ai jamais rencontrée. Et je renvoie à nouveau à l'expérience en disant « I think he is the kindest person I have ever met ». Je vous invite maintenant à vous rendre sur Moodle et sur l'UNT pour faire les exercices en ligne.